Bonjour. Le territoire. Fnac.com, les livres de Raymond Dazan, service marketing. Les territoires, je sais que c'est agaçant, mais tant pis. Les territoires, la place et le territoire sont extrêmement difficiles pour le surdoué. Je pense que j'ai déjà parlé de territoire, mais territoire et place, c'est quelque chose que le surdoué doit apprendre à se faire respecter. C'est-à-dire qu'on a un territoire et personne ne doit rentrer dans ce territoire. Mais comme le surdoué ne sait pas dire non, il va laisser ses territoires et après il va être en décomposition totale parce qu'un surdoué qui n'a plus de territoire n'a plus de place et un surdoué qui n'a plus de place est déplacé et un surdoué qui est déplacé ne sait pas se replacer et il a perdu sa place. Donc après il se sent très mal parce qu'il ne peut pas se vivre correctement. Donc il y a plusieurs territoires et plusieurs places. Évidemment il y a l'espace psychologique et l'espace physique matérialisable. Donc on doit toujours garder un endroit à soi, enfin je veux dire les normaux pensants, ils savent très bien se garder un coin d'intimité où personne ne rentre. Et le surdoué, comme il ne sait pas dire non, il dit oui à tout le monde, et résultat, il se retrouve envahi. Donc gardez vos territoires, gardez votre place et apprenez à dire non. Dites d'abord non, vous direz oui après. Apprenez non, 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 non. Je dirais non, 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 je dirais oui après. Si vous apprenez à dire non, vous saurez dire oui après, mais si vous dites oui au début, vous ne pouvez plus dire non après. Voilà, c'était le oui ou le non, et le territoire et la place du surdoué qui est très important. Voilà, je vous embrasse.